Bienvenue dans l'arène des gladiateurs. Cette arène a été conçue spécialement pour les 6000 abonnés de ma chaîne YouTube, par moi et Spartan. Dans ce jeu, 4 joueurs vont devoir s'affronter. Ces 4 joueurs vont devoir posséder Minecraft Bedrock Edition, ce qui facilitera la connexion au jeu pour même les joueurs qui sont sur console, Discord pour l'appel vocal, ainsi que de donner leur pseudo ou gamer tag Minecraft pour qu'on puisse les ajouter en ami et pour qu'ils puissent rejoindre la map. Arrivés sur la map, les joueurs devront regagner leur loge pour préparer leur équipement avant la grande baston. Les gladiateurs sont rois, ils peuvent demander ce qu'ils veulent aux administrateurs de l'événement, c'est-à-dire moi-même et Spartan, qui nous seront dans les tribunes. Une fois que le gong aura retenti, ils pourront commencer le combat. Ce combat leur donnera la possibilité de faire partie des prochains vidéos Manhunt et Speedrun sur Minecraft, sur ma chaîne YouTube, en compagnie de Spartan. Ah oui, parce que lui, bien sûr, vu qu'il était là depuis le début, il a le droit de rester, quoi. Les affrontements, eux, se dérouleront de cette manière. Il y aura 3 manches. Celui qui survivra le plus longtemps gagne plus de points que celui qui meurt en premier. Alors tâchez de bien vous équiper. Le premier à mourir lors d'une baston ne remporte pas de points. Le deuxième, lui, en remporte 1. Le troisième, 2. Et le dernier survivant en remportera 3. Le classement, lui, se déroule comme celui-ci. Le premier, celui qui a le plus de points, fera d'office partie des vidéos Manhunt. Le deuxième aussi, lorsque le devoir l'appellera. Le troisième aussi, mais il ne fera partie que des grosses vidéos Manhunt, et ne sera malheureusement pas là tout le temps. Et le quatrième, lui, se verra malheureusement disqualifié et ne fera malheureusement pas partie des vidéos Manhunt. Après ça, les gladiateurs pourront regagner jusqu'à 5 points pour les rattraper s'ils sont à la ramasse, en battant le Warden, se situant dans sa tour, non loin de l'arène. Ah oui, et une chose, durant les épreuves, vous ne serez pas forcément seul dans l'arène. Les combats débuteront jeudi à 15h et vous avez jusqu'à mercredi 19h pour m'envoyer votre pseudo sur Discord en privé, si vous voulez participer bien sûr. Alors préparez-vous, parce que cet affrontement risque d'être très surprenant.